Excusez-moi, j'ai la pub en fond. Parce que le son est baissé, mais la pub, il y a quand même le son. C'est un peu foulard. Ok, allez, j'espère que ça va marcher. Alors, est-ce que ça marche? Allez, j'ai encore une pub. Parce que moi aussi, sur ma propre chaîne, quand je me visionne, j'ai les pubs, quoi. Un truc de fou. Si vous avez écrit des messages entre temps, j'ai mon chat qui s'est remis à zéro, n'hésitez pas à réécrire. J'ai juste lu Scratch qui a dit qu'il allait secouer le colosse. Ah, elles sont longues, leur putain de pub en plus. J'ai baissé la co là, donc logiquement, merde, ça devrait rouler. Là, honnêtement, si ça lag, je vois pas d'où ça vient. Ça a l'air d'être bon. On va voir ça. Alors, j'en étais où, moi? Oui, j'en étais allé à cette cible-là. Hop là. Voilà. C'est ici. Ça a l'air d'être bon, je revérifie. Mon live. Ouais, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc ici, on nous dit commencer la mission. Donc c'est ce qu'on va faire. RB. Et voilà. Cette créature Gollum est attirée par le spectre qu'elle appelle le maître de lumière. Vos destins nous semblent liés. Allez, on va le faire. Ben, hier, justement, j'ai croisé Gollum un petit peu. On va voir ce que ça va nous dire. Bon Gollum quoi, c'est toujours une sale gueule hein. C'est clair ouais. Montre-moi notre trésor. Smeargold, c'est mon précieux. Mon précieux. Tu peux avoir confiance, maître de lumière. J'espère que ça lagra plus trop hein, parce que ça me saoule. C'est déjà un truc qui me gonfle ça, quand ça lag. Mène-nous jusqu'à lui. Les cinématiques sont très très bien faites. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ouais mais attends, on va voir quand je vais courir parce que les cinématiques ça demande un petit peu moins de ressources que le jeu en lui-même. Et on va voir quand je vais courir. J'ai l'impression que ça laguait légèrement quand même. Au tout début. Ok. Suivez Gollum. On va le suivre. Hein. Alors il faut qu'on dise zigouille quand même des orques, voilà. Apparemment les orques nous empêchent de passer. Apparemment ils sont deux. On va essayer de... trois même, putain l'enfoiré. On va essayer de se faire lui là. Il est tout seul en plus ce con. Ciao. Voilà, il a rien entendu. Voilà. Toi aussi. Et toi? Ciao! Ah mais voilà, ça c'est ce qui s'appelle faire un bon petit ménage. Allez, jette un oeil vite fait à mon stream si ça va. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu fluide. Mais bon. Ok! Il est où l'autre là? L'espèce de tête de fio. De Gollum quoi. Ah, il est monté là-haut. Les hommes sont des vermines. Hop. Non, vous voyez le système de montée, pareil, hein. Oh merde. Et vous voyez un petit peu l'IA. Regardez-moi cette IA un petit peu foulaire. Ciao. Parce que là, j'étais vraiment à côté de lui, quand même. Hein. Tu es l'archer. Ah, d'accord. Il y en a un, là. Et ciao. Plus d'archer.
En fait, on lui ouvre le passage, quoi. Hop là. Je pense que je ferai une présentation de ce jeu sur ma chaîne YouTube. Vraiment une présentation en connaissant le jeu et en essayant de faire une, pas une test, mais ouais, dire que voilà. Une présentation un petit peu de ce qu'il y a dedans et ses qualités et ses défauts. On le prendra, il nous montrera, il le volera. Non, non, on le lui. Bon, tu peux pas courir, Gollum, là, hein? Ça m'arrangerait que tu te manies un petit peu plus le cul. Par contre, les doublages sont bien parce qu'on a vraiment tout l'esprit du film est vraiment présent. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Oh, tu veux que je fasse quoi? Ce serait bien que tu me le dises, Gollum, là. Ah, c'est bon, ça a pas l'air de laguer. Utilisez le mode spectral pour retrouver l'artefact. Voilà, donc là j'utilise un mode spectral puisque je suis entre la vie et la mort. Donc là je me transforme en spectre et ça me permet d'avoir un petit peu... voilà, une sorte de vision qui me permet de suivre des traces ou des choses. C'est ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce que c'est? Ton ami a l'air pressé de nous conduire au devant du danger. Des informations sur mon passé valent tous les risques. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille tout au fond là-bas. Ramasser. Tu te balades avec mon autre moi là. C'est un bien joli cadeau. Bien joli cadeau. Mais où se trouve le précieux? Oh putain, il aime son précieux, lui. Hein. Viens ici! Relâche-le! Même dans ce jeu-là, c'est toujours une enflure, Gollum. Pourquoi court-on après ces rêves? Ils ne font que nous apporter de nouvelles questions. Ce sont bien plus que des rêves. À chacune de ces visions, mon pouvoir grandit. Le maître se charge de veiller sur nous. Nous devrions mieux de partir. Il est en grand danger ici. Nous l'attendrons. En tout cas, j'ai trouvé comment mettre les pieds. Oh putain, ça m'a fait peur cette merde. Sur YouTube. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces putains de petites saloperies? Regardez-moi ça. Oh, il y en a un paquet. Allez, esquive. Hop là, on va faire des roulades. Qu'est-ce que ça me dit? Libérer un puissant éclair de lumière capable d'infliger des dégâts et d'étourdir des heureux que de tuer des gaules une fois votre compteur de coups chargé appuyé sur X et A. D'accord. Mais c'est ce qu'on va voir. Ah, on va essayer. D'accord. Salut Golden. Putain, il y en a un gros paquet. J'ai l'impression que ça relade encore un petit peu, ça commence à me péter les burnes. Ah, j'ai pas me foutre une pro à 400, quoi. C'est pas possible. Ah, ça y est, putain. On a fait un petit peu le ménage, quoi. Impec. Souvenir brisé, victoire. Allez, on a fait cette mission. Apparemment, il fallait désinguer un petit peu tout ce qui sortait du sol, là. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais il y a quand même des petits lacs, quand même. Ça me saoule.
Ouais, quand j'ai des grosses actions, mais moi c'est plus soulant. C'est moins que rien. Je viens de baisser à... J'étais à 750 en co. Je viens de baisser à 600, quoi. Je vais pas me foutre à 500, quoi. Avoir une qualité de merde, quoi. Je le sens. Ok, j'ai débloqué un point de compétence. On va voir ça, ce que je peux me prendre en compétence. Qu'est-ce que j'avais pris? Donc vous voyez, c'est un petit peu le côté RPG. On a des compétences qu'on peut vraiment se prendre. Au niveau des combats, des esquives, de la rapidité, tout ça. Donc hier, je m'étais pris ça, élimination aérienne. J'avais pris ça. Qu'est-ce que je pourrais me prendre là? Ça, c'est quoi ça? Calculez bien votre réception à pied. Est-ce que vous franchissez des obstacles afin d'obtenir un boost de vitesse temporaire? Ouais, de toute façon, je pense que je serai obligé de le prendre. Ah, ça, c'est cool ça! Pour monter au dos des bestioles. Eh bien, on va le prendre ça. Ah, je le veux ça. Je peux? Ouais, je peux. Ah, il m'en reste encore un point. Est-ce que je peux débloquer les choses en dessous? C'est quoi ça? Eh bien, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Ouais. Est-ce que je peux débloquer un truc, un cadenas? Non, je peux pas. Donc, à mon avis, il faut que je prenne d'abord peut-être tout ce qu'il y a au-dessus. Allez, on va prendre ça. Peut-être. Hein. Et là-dedans... Voilà. Et ça, apparemment, c'est d'autres points de compétence qu'on peut s'utiliser. Par exemple, pour la santé, ben, on va se le prendre, celui-là. Je pense que je dois pouvoir. Il faut 100. Ouais. Impeccable, on a augmenté notre santé. Et la capacité de tir de flèche, ben je vais le prendre. Impeccable. Et on va se prendre élément de rune, épée, des verrous et d'emplacement de rune sur votre épée. On va le prendre ça aussi. Allez, impeccable. Ok. Ouais, c'est regardable tant que tu parles avec ça. C'est clair. Allez, on est parti les enfants. On va essayer de continuer. Si vraiment ça lag trop, vous me le dites, eh ben, je recouperai, je mettrai, tant pis, je mettrai à 500. Hein. Si vraiment on est obligé. Ok, allez, on va se choisir un truc sur la carte. Hein. Je pense qu'on va peut-être essayer de se faire... Hein. On va se faire ça, là. Une espèce de gros tas, là. On va essayer de s'en tuer un. Et lui, apparemment, interrompait le festin de Amug le Veilleur pour affaiblir l'armée de Sauron. Voilà. Je sais pas si je l'ai, Amug, dans les trucs ici. Est-ce que c'est lui, là? Non, ça, c'est Rache le Surdoué. Rogue le Jumeau. C'est bizarre. Je l'ai pas. C'est un peu étonnant. Est-ce que j'ai des renseignements, peut-être, à récupérer quelque part? Non. Non, 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 j'ai pas de renseignement. Eh bien, on va laisser le faire lui, tant pis. Hop là, mettre le point dessus et on y va. Vous voulez savoir ce que c'est la douleur? Allez chercher des noirs. On est à 784 pieds de notre objectif. Alors, les orques, comme j'ai dit, vous en avez partout sur la carte, quoi. Ça sert à rien de toutes les tuer parce que, en fait, vous n'aurez jamais fini. Croise le fer avec moi. Bon, je peux monter? Merci. On va se le faire, là. Voilà. Hop. Et après, pareil, le système, vous voyez, quand je cours comme ça, c'est vraiment comme un Assassin's Creed, quoi. Ah, mais là, je suis carrément dans le... un village de d'orques, quoi. On peut pas en avoir plus nombreux, quoi. Hein. Hop là. Pourquoi t'as fait ça? Allez, on va sauter là. On va essayer de se faire lui là en bas. Ça serait bien que j'arrive. Oh putain, je suis discret. On va se le faire. Et ciao. Ça c'est pas mal ça. On peut faire carrément des attaques en étant suspendu. Classique, hein, dans pas mal de jeux, ça y est. Mais c'est vraiment plaisant. Je rate mon live en même temps. Ça me stresse, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Putain, y'en a un qui m'a vu. Je vais me faire lui, là. On va se le faire lui.
Hé, hey, tiens, bouffe ça, mon salaud. Alors, Golden Sand Gaming, tu joues à quoi? T'es sur console, sur PC, t'as quoi comme console? Putain, mais ils sont paquets, là! La fâche! Je suis un fou furieux, moi. On va attendre qu'il vienne, lui, apparemment, il a repéré quelque chose. On va essayer de se le... Ah, ben non. Est-ce qu'on se le sent, le combat? Je suis pas sûr parce qu'ils vont ameuter un paquet de monde à mon avis. Ah, ils sont trop nombreux. On va se barrer. Ils sont trop nombreux. Je vais galérer comme un porc après. Ils m'ont pas vu. Par contre, il y avait un archer là. Il est où? Il s'est barré. Allez, on va monter là. On va monter ici. Ce porose a filé depuis longtemps. Ah, ça a pas l'air trop lagué. Allez, je suis à 282 pieds de se faire le gros enflure. Apparemment, on va interrompre son nos guerriers méritent davantage que ça. Son festin, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va descendre. Hop là. Oh, on n'est pas peur. Moi ami de toi. Par contre, toi pas ami, toi. Toi, pas ami. Si je peux te couper la tête, j'aimerais bien, tiens. Et hop, ciao, prenez ça. Et mange. Bonne petite exécution. Non mais oh, tu vas pas les taper. Espèce d'enflure. Espèce de sale enflure. Allez, on attaque, hein. Les exécutions, je prends mon panard à chaque fois. Honnêtement. Alors ça, je pourrais les chevaucher. À un moment donné, j'ai tué une orque. Un chef orque qui en a peur de ça. Donc du coup, je l'ai largué. Et du coup, il flippait. Parce que chaque chef qu'on peut tuer, orque, ont des points faibles et des points forts. Et c'est pas mal de savoir un petit peu leurs points faibles. Pour savoir leurs points faibles, ben, il faut interroger des gens. On verra si on peut en interroger au cours de cette session. Ça c'est des amis. Toi par contre là-bas t'es pas un ami. Si vous avez l'occasion de tuer le rôdeur, saisissez-le. Mais c'est moi qui vais te tuer. Ciao. Continue le combat, rôdeur. C'est lui qu'il faut que j'aille tuer là-haut. C'est un archer juste en fait. Ne vous en faites pas. Et donc chaque fois dans des... Ah oui, apparemment c'est là le... Ah oui, on va lancer la mission ici. D'accord. Je me disais, c'est un peu bizarre. Hein. Allez. Hop là. Petit coup brisé. Ah oui, j'explique pour ceux qui ne comprenaient pas. Parce que hier, on a choisi une femme en costume. Donc vous pouvez voir à l'image, une nana. Mais ce que j'avais pas fait attention et je savais pas, c'est que vous choisissez le costume de la nana. Mais à la base, mon personnage est un homme. Donc du coup, quand on va le voir dans des flashbacks ou autres, ou dans les cinématiques... Ça sera un homme. Sinon, voilà, mon costume, c'est d'être une femme. On va imaginer qu'il est réincarné en femme dans la vie réelle, quoi. Voilà. Allez, on va lancer la mission. Ah, ben voilà, c'est lui, là. Organise des festins pour célébrer leur victoire et détermine celui qui peut boire le plus de grog. D'accord, ils font le jeu de l'apéro, quoi. Si personne n'intervient, le chef accroîtra son pouvoir. Interrompez le festin pour... voilà, donc pour affaiblir l'armée de Sauron. C'est-à-dire, quand je vais tuer lui, bon, ben on va affaiblir un petit peu. Sauron, eh ben on va accepter cette bonne mission, quoi. Je vais bien la faire. Ah, il germait tout tellement qu'il picole. Amusez-vous, c'est l'heure du festin. Buvez et mangez tous. Interrompez le festin pour affaiblir, d'accord. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Hein. On va aller se faire lui, là. Hop là. Ciao. Après, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat, hein, si vous voulez, voilà. Le chat, ça sert aussi un petit peu à ce qu'on discute ensemble. C'est ça que je préfère par rapport à YouTube. C'est qu'au moins, là, on peut un petit peu partager, on peut discuter.
Vous pouvez me parler cinéma, vous pouvez me parler du film que vous avez vu, vous pouvez me dire que vous avez vu Mad Max, je sais pas, moi je l'ai pas vu Mad Max. Ouais, peut-être que j'aille le voir d'ailleurs. Ah, il est là le mec. D'accord, il est en bas. Il est prenant ce jeu, ouais. Il est prenant Scratchy, moi j'aime bien. Ouais. Par contre, là, pour interrompre, il va falloir que j'aille au casse-pipe, quoi. Il va falloir entrer dans la bagarre. Je suppose. Eh bien, on va faire ça. 3, 2, 1. Alors, regardez bien. On va avoir une putain de bagarre. Hein. À mon avis, je vais crever. Pas ta place ici, maudit humain. Allez. On va essayer de s'en faire un max. Hop là, petite esquive. Lui, je l'ai tué. Déjà un de... Oups. J'adore quand vraiment on tranche un petit peu les... Hop là, petite esquive. Et ciao! On va se faire peut-être un petit truc spectral, je sais pas si je peux le faire. Oh merde, ceux-là, ils sont dangereux. Avec les boucliers, parce qu'il faut y aller derrière eux. Hop, faut aller derrière lui. Putain, je suis crevé. Oh non. Vite, on va éviter. Voilà, petit jeu d'adresse pour un petit peu regagner de la vie. La vache. Ah putain, il me fait chier. Il arrête pas de me zigouiller. Ah putain. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Ah, tu l'as vu, Ray et Mad Max? Et ouais, il paraît qu'il est bien. Il était de bonne qualité, ton stream? Parce que généralement, les streams, quand ils sortent le jeu, les streams de films ou cinéma, des fois, ils sont pas de bonne qualité. Ah, l'enfoiré, il est promu. Oh la vache, je suis un peu dégoûté. Ouais, ben finalement, ils picolent et ils sont super forts, cette bande d'influents. D'accord. Bon. Eh bien, on va recharger. Que sont ces tours d'argent? Ce sont des lumières qui nous guident. On va recharger et puis on va se faire... Mais il était où, lui, d'ailleurs? Où c'est que t'étais? Mais c'est ça. On va y retourner, parce que j'ai pas dit mon dernier mot. La terre des ombres. Là où toutes les un 400 soins de paix. Le pâle reflet, ça devrait être pas mal quand même. Mais moi, honnêtement, j'ai envie d'aller le voir. Perdu. C'est clair que Mad Max, j'ai vraiment envie d'y aller. Les Amisiens viennent de venger la mort des joueurs à l'étang pour tuer le capitaine qui les a vaincus. D'accord. Allez, petit soin à l'Assassin's Creed. Et voilà. En plus, Mad Max, c'est ma jeunesse, quoi. J'étais vraiment petit quand c'est sorti. Donc, j'ai un petit peu grandi avec les Mad Max quand j'étais jeune. Et c'est vrai que celui-là, il est fait par le même mec qui a fait les précédents Mad Max. C'est le même réalisateur. Hein. C'est lui-même qui s'est fait plaisir de refaire son film, quoi. Avec les moyens de maintenant. Et il paraît que c'est d'enfer. Allez, hop. On va monter ici. Hop là, j'ai vu un gros lag, hein. J'espère que... Oh, regardez-le, lui! Eh ben, il faut arrêter de boire de la bière, mon ami. Tiens! Il faut arrêter de picoler, hein. Boire, c'est pas bon pour la santé. On va essayer de se faire peut-être un peu le ménage. Rassemble!
me le faire lui. Ciao. Ah, mais y'en a un là-bas. Viens ici, toi. Petit péteux. Allez, je vais essayer de me les déquiller. Peut-être qu'on arrivera un petit peu. Par contre, j'ai perdu un peu de santé là. Je vais essayer d'en attirer ici. Tous ensemble. Et ciao, plus de tête. C'est ce qui s'appelle en perdre la tête, Kono là. Oh, qui c'est qui m'a tiré dessus? Il y en a un là, il y a un archer. Oh putain, il y a un putain d'archer. Je sais pas où il est planqué, mais je vais me le faire. Oui, il peut partager un lien, de toute façon. J'ai pas encore beaucoup de gens qui regardent. Je pense pas que Twitch va me faire caguer. Donc oui, tu peux partager un lien, il n'y a pas de souci. La lance est la meilleure arme. Il était où ce putain? Ah, il était là-bas, cet enfoiré là. Ciao, tu me feras plus chier. On va essayer de faire le ménage avant de s'attaquer au chef. Parce que tout à l'heure, finalement, ils étaient tous un petit peu autour de moi. Et là, du coup, on en a déjà tué quelques-uns. Ce qui va nous permettre d'avoir juste peut-être le chef et 3 sbires à nous. N'oubliez pas, si ça lag vraiment, vous me le dites, hein. Le temps d'avoir une bonne connexion, c'est moi qui vous le dis. Je vais me le faire, lui. Regardez son copain, il a rien entendu. T'es un petit peu con, toi. Hein? T'es un petit peu gogol. Merci. De rien. C'est avec plaisir. Ok, allez, maintenant on va aller là-haut. On va essayer de lancer la mission. J'espère qu'en lançant la mission, j'aurai moins de mecs. A mon avis, ils vont réapparaître. Ouais, flèche en pleine face, ouais. C'est clair. La chasse me dégoûte. Finissons-en. Ah, putain, les bestioles, regardez. Lui, il a la haine des Karagors, d'accord. Mais on va laisser les bêtes faire le ménage pour nous. C'est bizarre, on l'avait pas ça tout à l'heure. Hein. Comment ça se fait que les Issos maintenant? Oh, il est en train de se faire charcuter le mec là-bas. Allez les bêtes, allez, faites le ménage pour moi, après moi je vais y aller. Je regarde s'il n'y avait pas l'enflure là avec... Tiens, je vais me faire l'archer peut-être. Hop. Merde, putain, loupé. Hop là, on en profite, hein. Faire un petit peu le ménage, hein. Ah, ça y est, il m'a vu. Chasser là. J'ai pas compris. Ah merde, il fallait lui empêcher de chasser les bêtes. Oh con, ah, j'ai rien pigé là. Je croyais que j'avais pris la mission du festin. Putain, d'accord. C'est dégoûtant de nettoyer une proie morte. Mais même s'il a été promu, on va essayer de se les déquiller. Je le vois. Regardez dans le dos. Il me suffit juste de souffler ton score et tu auras des ennuis par-dessus la tête. J'aurai bientôt ta tête à mes pieds. Pour
que j'aille me faire l'archer là-bas. Parce que lui, il va me faire chier, lui. Regardez ça. Oh, l'enfoiré. Il est solide, hein. Allez, 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 allez. Hop là. Lui, je vais le trancher. Regardez. Ciao. Putain, mais vous êtes des vrais Kremlins, quoi. Sans déconner. Allez, toi, t'es crevé, espèce d'enfoiré. Hop là, toi t'as failli m'avoir. On va y arriver à se les faire ou quoi? Oh putain! Ça c'est ce qui s'appelle hein. Allez, ciao! Petite exécution, tranquillou. Et ciao! Allez, on a tué le mec. Oh putain, une bestiole. Je monte là-haut. Comme ça, elle pourra pas m'avoir. Regardez là. Allez, impeccable. On l'a eu. Par contre, regardez. Si j'appuie sur RB. Hop là. Ça, c'est bon, ça. Alors, utilisez L1 pour déplacer le curseur dans le cercle, puis appuyer sur la touche affinée pour dominer. D'accord. Et voilà. Allez, je suis pas beau sur ma monture, quoi. Impeccable. Donc, X, il peut attaquer. Y, il peut mordre. Et LT, on peut viser avec l'arc. Et RTX, on peut effectuer une élimination aérienne. D'accord. On va voir ça. Donc, moi, je peux taper. Lui, il peut attaquer. Est-ce qu'il peut courir? Ça rigole pas. Allez, on va aller se faire quoi? On va aller se faire qu'est-ce qu'on va se faire comme mission? On va essayer ça là. Venger la mort de Bête Black en tuant Cham le sage. Tout à l'heure ça me disait que c'est des joueurs en ligne apparemment qui se font tuer et on peut les venger. On va essayer ça. Allez. Allez, huge Johnny Jumper. Hop là. Est-ce que je peux me bouffer un orc? T'as vu? Bouffe. Oh putain, j'ai pris feu. J'ai la bête en feu. La vache. Elle brûle. La bête brûle, quoi. C'est là la mission. Ok. Bon, par contre, je vais être obligé de descendre. Ah, en plus elle est avec moi maintenant. Cool. C'est mon ami. Tu touches pas mon ami. Allez, occupe-toi de lui. Moi j'allais me faire lui là-bas. Et ciao. Ah, vous avez vu, on peut se rocher des bêtes et tout. C'est franchement le jeu, moi je le conseille pour l'instant. Je ne suis pas déçu. Il y a pas mal de choses à faire. Bien, on va se le faire. En fait, le jeu, vous le prenez un petit peu dans l'ordre que vous voulez, quoi. C'est un open world et vous allez un petit peu où bon vous semble. Vous avez plein de missions à faire. Ah, refuzzy. Fuzzy le retour. Fuzzy est là, les enfants.
Ok, allez, on va essayer de lancer cette mission. Vendetta. Donc on va venger. Quelqu'un venger la mort en tuant Cham le sage. Ah, mais c'est celui qu'il m'a tué tout à l'heure, hein, non? En fait, je vais venger ma propre mort, je pense. Bah, on va le faire. On va le faire. En gros, je dois venger ma propre mort, si j'ai bien compris. Par contre, où c'est qu'il est, cet enfure, hein? Tuer des Hulks avec les attaques à distance. D'accord, j'ai un objectif bonus. Alors, il est dans cette zone, c'est ça? Il faut que je le cherche. D'accord. Bon, bah, il faut le chercher dans la zone, si je comprends. Ah non, il faut que j'utilise ça. Attendez, on va se soigner peut-être. Recharger la santé. Hop. Voilà. Je sais pas si j'en avais besoin, mais. C'est quoi ça? C'est une épée, mais je peux rien faire dessus puisque je suis en pleine mission déjà. Pour identifier le capitaine, d'accord. Ah, mais il est là-bas. Voilà. Il est ici. Allez, hop, un petit coup. Ça va, ça se passe bien le stream? N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit. Ok. Donc par contre, il est là-bas. On va essayer peut-être un petit peu de... Comparé aux guerriers Uruk, les hommes sont de pathétiques limaces, juste bonnes à souffrir. D'accord. Alors, il va être chaud, lui. Parce que j'ai deux gros avec les boucliers. Et honnêtement, les gros avec les boucliers, ils vous jettent des lances. Ils sont vachement plus dangereux que des archers. Je vais peut-être essayer de faire une sorte de ruse. On va essayer d'en tuer un de loin. Puis on va prendre du recul, on reviendra. On va essayer de se mettre là, par exemple. Je vais essayer d'y mettre une flèche dans la tête, voir. On va courir. Hop là, vous m'avez pas vu. On va voir, hein, aussi bien il va respawn, hein, le mec. Ouais, il est un petit peu calme, le chat, c'est vrai. Après, comme je dis, bon, il y en a peut-être qui sont timides. Je sais pas. Mais n'hésitez pas à parler, même vous pouvez parler entre vous. Ça sert à ça, le chat. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut, voilà. On peut partager en live un petit peu nos impressions. J'ai vu ces empreintes l'autre jour. Elles étaient pas normales. Je vais me faire lui là. Je sais pas si ça sert à quelque chose. J'ai l'impression que ils étaient peut-être un peu moins nombreux, j'en sais rien. On va essayer de se faufiler. Ah, toi, t'es timide, Fuzzy, ouais. C'est vrai. Tu as l'air. Ah, mais ils sont encore là. Il y en a deux. Trois. Bah, ça venait de ton imagination. Tu t'es pris quand même une flèche dans la gueule, connon. Ça venait de mon imagination. T'imagines, tu te prends une flèche dans la gueule et... Ça venait de mon imagination. Je vais bien réussir à les zigouiller quand même. Merde. On va essayer de se faire... Ah là j'en ai eu un là. Merde, il est tombé. Ah, c'est la tactique un petit peu le du gros péteux que je fais. Tous ensemble. C'est ça, tous ensemble, ouais. J'espère que mon intro vous a plu avec la musique. Je trouve que cette musique elle est super sympa. Et ça sera un petit peu ma petite intro de chat. Hein, pour vous dire bonjour. Quand je verrai que vous êtes un petit peu connecté ou qu'il y a des petits connectés, on essaiera de se dire bonjour en musique. En plus, elle met la pêche cette musique. Je crois qu'il en reste. Putain, il en reste deux avec le bouclier quand même.
Tant pis, quand j'aurai plus de flèches, je les attaquerai à l'épée. Vous êtes mort? Non, non, c'est mon imagination. Ah, c'est ça, ouais. Hein, c'est exactement ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'avec le logo du gros chef machin, là, je vois pas la tête de ceux qui ont des boucliers. Nos archers voilà. Sont plus terrifiants que tous ces elfes. Lui, il a un bouclier, il faut que je le tue. Je l'ai eu. Donc, voyez un petit peu le défaut du jeu, c'est l'IA. Hein. Autant le jeu est jouissif, autant l'IA. Pas faire plus con. Hein. Il y en a encore un avec un bouclier. C'est les gros, les chauves, je crois, qui sont dangereux. On va essayer de voir si je peux me le faire. Jeune homme ! Ah, mais voilà, il est tout seul ! Les autres. Au final, tu ne seras qu'un souvenir fugace pour moi. C'est toi qui vas être un souvenir fugace pour moi, Kono. Amène-toi. Oh la vache ! One shot ! One shot ! Eh ben lui, j'ai pas regardé son point faible parce que je sais pas si ça y était. Flèche dans la tête, parce qu'il y en a leur point faible, c'est les flèches. Hein. Flèche dans la tête, son point faible, ça devait être ça. Ça devait être ça. Attendez, je regarde un petit peu ce que vous écrivez sur le chat. Hein. Ouais, le AK-47, ouais. Ça serait pas mal d'avoir un mode là où tu sors des mitrailleuses. Les orques, ils comprendraient rien, tu sais. Je m'amuse avec les émoticônes. C'est qui là? Elle est pas jouissive. Et j'arrive plus à retirer le tableau des smileys. Ouais, c'est des fois c'est chiant, moi ça me le fait aussi. Ouais, le bon headshot, t'as vu ça, Scratch? Sacré headshot, quoi. Mais c'était son point faible. On va aller récupérer ce qu'il va nous donner, débloquer compétences. Non, là j'avais une fleur à côté. Forcément, il me la prend. Ah, c'est ça là qu'il faut que je prenne. Ramasser. Hop là. Et c'est tout. Ok. Eh bien, on doit avoir Vendetta disponible, d'accord. Bon, ça, Vendetta, on a vu ce que c'était. On va essayer de faire un petit peu autre chose pour voir. J'ai un point de compétence. On va essayer de se prendre autre chose. Ça, j'ai pris. Tout ça, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout pris là. Est-ce qu'il y a des quantités de points à avoir après pour... Ah non, déverrouillage du prochain 19. D'accord. Apparemment, il faut peut-être que j'attende un petit peu pour déverrouiller autre chose. Mais ok, on va faire ça. Alors, je vois juste la moitié du chat. J'ai niqué le live. Plus rien, marche. Illumination m'a tué. Allez, on va essayer de voir ce qu'on peut se faire autre. Nouveau, là. C'est quoi? Gollum désire ardemment mener le maître de la lumière aux artefacts. On a vu Gollum déjà tout à l'heure. On va essayer peut-être un peu de changer, je sais pas. Interrompez le duel. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va essayer de faire interrompre la buscade. Allez, on va essayer d'interrompre la buscade là. On va prendre ça. Allez. Ah, mais attendez, avant, je vais aller activer la tour ici. Hop là. Comme ça, on aura un petit peu les choses sur la carte. Ouais, déco et roco, hein. Apparemment, si ça t'a fait bugger le truc, Fadzi, déco et roco. Pas déco et roco, hein. Je sais pas si même les plus jeunes connaissent roco. Mais si vous connaissez pas roco, demandez-le moi, je vous le dirai. Ou pas. Peut-être pas, je vous le dirai. Oh putain. Il y a une bestiole là. On va un petit peu se barrer. Qu'est-ce que c'était? Ouais, il rend bien l'overlay, ouais, il est super sympa.
c'est vraiment sympa. Merci Scratch, c'est vrai que ça rend bien. D'ailleurs, l'overlay est de meilleure qualité que ma vidéo, quoi. Il y en a un qui s'amuse à tuer les Uruks. Ouais, il y en a un qui s'amuse et c'est moi. Allez, on va descendre ici. Hop là. Ah, ce bon vieux Rocco, c'est vrai qu'il doit être vieux maintenant. Il doit avoir les boules qui pendent jusqu'au genou maintenant, quoi. Il doit avoir la teub qui tombe jusqu'aux orteils, quoi. Maintenant qu'il a vieilli. Il doit y broncher dedans et tout. On va aller à la tour. Oh putain! Ils m'ont balancé des trucs, les enfoirés. Donc, on va monter à la tour, là. Et vous allez voir comme l'Assassin's Creed. Pareil. Ça me dit de reforger. Donc, du moment où je vais reforger... Hop là. Je vois dans l'étoile lune, comme dans l'Ithildine, ces morceaux de pierre d'un passé à moitié présent ou à moitié oublié. Mon surnom, justement, c'est Rocco. D'accord, ouais, Vantard, ouais. Ah bon ? À quoi on peut discuter ? La tuyauterie, non ? On peut discuter de la tuyauterie. De toute façon, à mon avis, j'ai pas de femme qui nous regarde. Sauf s'il y en a une, bah, qu'elle se manifeste. Mais on n'a pas de chastes oreilles qui nous écoutent. Ah, quoi que si, il y a Ray, il a 15 ans. Il y a Ray, il a 15 ans, il faut faire attention. On va pas dire trop de choses. Interdit au moins de 18 ans, quand même. du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette bonne petite carte? On a quoi? C'est quoi ça? Artefact. Bon, il y a des artefacts à récupérer. Ouais. Bon, on va aller se faire interrompre l'embuscade contre Rash, le surdoué pour affaiblir l'armée. Alors, on va essayer de se faire ça. Par contre, je sais pas à partir de quelle heure ma connexion elle est un petit peu bridée. Il faudra que vraiment je passe à 500. Ce qui me fait chier, c'est qu'à 500, j'aurai la qualité qui sera diminuée. Parce que ça paraît pas, mais si je mets dans OBS une qualité de coup à 500 et une qualité de connexion à 750, vous allez vraiment voir la différence. Hein. Elle se voit. C'est ça que je voulais? La mission? Ouais. Je crois que c'est ça. Ah non, elle est plus haut. Elle est plus haut. Mais quoi que c'est quoi celle-là? Gravir les rangs. Mais on va la commencer, tant pis. On y est dessus. La soif de pouvoir de Ratback s'accentue. Alors lui, Ratback, c'est un mec dans la vidéo d'hier, une orque, qui m'a aidé à tuer un chef orque. Il m'a donné des renseignements et tout. Il m'a suivi. Mais ce petit malin, le fait que j'ai tué le chef orc, eh bien, lui a pris sa place. Donc du coup, il a été promu. Et apparemment, eh bien, sa soif de pouvoir s'accentue. Et son utilité pour votre cause en fait de même. Gardez-le en vie, il vous permettra de vous rapprocher de la mémoire de ce rond. D'accord. Donc du coup, apparemment, on va peut-être encore l'aider. Je suppose. Ah, il allait se faire tuer. Ah, mais il va se faire tuer, il est là. Il arrive. Attends, t'appelles ça un duel? Non, j'appelle ça un duel perdu, sale globe. Ici, comme ça, voilà, il suffit de demander. Oh, c'est bon, je connais ça. Ah, je me doute que tu connais ça, Ray. Maintenant, à 15 ans, on connaît plus de choses que nous quand on avait 20 ans. Dépêchons-nous, ou il perdra sa tête. C'est tentant, n'est-ce pas? Allez, vite! Si tu crèves ces nombreux yeux, la bête ne te verra pas arriver. Oui, d'accord, mais bon... Ah, il y a 3 minutes avant qu'il se fasse couper la tête. Mais on va se faire ça. Hein. On a 3 minutes, hein, pour aller sauver notre copain Ratback. Ah,
Lui, il était un petit peu à côté de moi, lui. Je l'ai même pas vu. Est-ce qu'il y en a un autre? Je crois qu'il n'y en a pas. Vous pensez que je peux me faire furtivement les deux premiers? Lui, là, par exemple. Ouais. Ah non. Merde. Et je vais le prouver à tout le monde ici. Allez hop, on va essayer de le zigouiller. Oh putain, hein. Vite, il faut se débarrasser de lui là. Parce que lui va me faire chier. Allez, ciao. Voilà, comme ça tu me feras plus chier toi. Parce que ceux avec les boucliers. Et hop, plus de tête. Oh, j'ai pété le bouclier. Et petit achèvement. Je veux de l'hémoglobine d'or, quoi. Il est pas mort, hein, parce qu'ils sont toujours un peu plus costauds. Il faut les achever plusieurs fois. C'est putain de... Putain, il m'a eu. Oh, il m'a empoisonné. L'enfoiré. Vite. Il m'a empoisonné. Allez, lui, on va le tuer. Qu'est-ce que ça me dit? Quand le niveau du capitaine de santé est faible, vous pouvez le saisir. Maintenez RB. Ah, comme c'est Manette Xbox, j'aurai toujours RB et appuyez sur A pour l'interroger. Ah oui, on va l'interroger, vous allez voir. Garde le bourreau en vie. Notre chemin. Tu es à moi. Appuyez sur A pour l'interroger. Et là, il va nous apprendre. Voilà. On l'interroge. Et il va nous apprendre quelque chose sur un des capitaines dont il y a les flèches. Et ça va être une nouvelle cible qu'on pourra tuer. Alors qu'est-ce qu'on a dans le chat? Lui, il va prendre tarif. Ouais, il va prendre tarif, c'est clair. Mais là, pour l'instant, je l'interroge. Et après que je l'ai interrogé, on va lui zigouiller la chetron. Du coup, on va en choisir un au hasard de chef de guerre. Ah mais non, il n'y en a qu'un. Il y avait plein de flèches, mais apparemment... Lui là, il va nous servir à savoir qui est celui qui est derrière. Donc du coup, il nous a appris qu'il y avait Mog le deuxième jumeau. Ça tombe bien parce que j'avais le premier jumeau, je crois déjà. Chef de guerre vétéran, angoissé par la fureur des capitaines noirs. Pour obtenir des renseignements sur les chefs de guerre, on ira chercher des renseignements après sur la carte. Comme ça, ça va nous apprendre ses points forts et ses points faibles. Pour attirer un chef de guerre, vous devez effectuer une mission de confrontation. Ces missions sont disponibles près des forteresses. Allez. Ça marche. Ah, mais voilà. On a les forces et les faiblesses. Par exemple, lui. Faiblesse, dégâts par coups finaux au combat. Peut-être blessé par des coups finaux. Dans les coups finales, style les petites... trucs d'achèvement que je fais, apparemment il aime pas ça. Et dégâts par attaque à distance. Donc lui par contre, tout ce qui est les flèches, il aime pas. Et après les points forts, bon ben apparemment il aime pas les bestioles, donc ça le rend fou. Les cargors, il les aime pas, ça lui met de la rage. Bon offensif, il peut bondir en frappant, à guérir au combat, plus difficile à tuer, il faudra peut-être l'achever. Arme enflammée, il aime pas ça. L'arme en feu inflige plus de dégâts, donc il va avoir une arme enflammée sûrement. Et il ne connaît aucune terreur et il ne fuit jamais. Allez, impec. Et là, du coup, regardez, maintenant qu'on a notre... Oh, qu'est-ce qu'on lui a fait? Le capitaine. La fâche. Un coup de poing, on l'a tué. J'appelle du travail d'équipe, hein. Phil, avant que je ne change d'avis. Mais on avait un marché. Il n'y a plus de marché. Oh, comme tu veux, mais je pensais que... Bon. Attends. Rodeur.
Quoi? Il est tout content. Il va dire que c'est lui qui l'a tué. Non? Quand le chef de guerre entendra parler de ma victoire, il fera de moi son garde du corps personnel. Tu m'étonnes. Et en quoi ça m'aidera? Je le poignarderai par derrière. Je m'occuperai d'un des chefs de guerre pour toi. Et tu t'occuperas des quatre autres. Ensuite, on se retrouvera au camp d'entraînement. Je m'assurerai de la présence du chef de guerre dès que tu seras prêt. Qu'est-ce t'en dis? Essaie de garder la tête sur les épaules cette fois. Oui, c'était bien mon intention. Bon jeu de mots. Ah, les cinématiques sont bien, hein. Moi j'aime bien. Et vous voyez, lui, on va s'en servir un petit peu d'indic, hein. Il va essayer de rapprocher, il va se rapprocher d'une cible et il nous aidera dans une prochaine mission. Alors là, apparemment, il y a des chefs qui s'affrontent. Ah mais non, voilà. Mais Radback, vu que j'ai tué quelqu'un, mais Radback, il a pris du grade. Ok, mission terminée, gravir les rangs. Victoire. Alors Filou, tu fais quoi? T'es sur le mecha ou tu es sur Killing Floor? Qu'est-ce que vous avez dans les chats? C'est une baltringue, lui. Oui, c'est une baltringue. C'est, voilà, c'est un petit péteux, mais bon, il nous aide bien, apparemment. Ok, mission terminée. Ce Radbag nous a ouvert les portes de la hiérarchie malgré. Voilà. Il a un don pour l'échec. Ok. Eh bien, on va aller récupérer des indices. J'en ai un qui est pas très loin, vous voyez ici. On va aller se le faire, hein. Et vous allez voir que ça va nous apprendre normalement quelque chose sur un peut-être des chefs de guerre qu'on doit tuer. Il paraît que si on tue l'immortel, le chef de guerre... Hop là. Ah mais voilà, il y a un indice ici. Collecter les renseignements. Allez, on les prend. Et là, du coup, ça va m'apprendre quelque chose sur... Alors, si je clique sur lui, ça fait rien, forcément. Donc voilà, je peux choisir un des mecs et avoir un renseignement dessus. On va prendre, je sais pas, un des premiers là, parce que j'aime bien voir quand même ceux qui sont devant. Renseignement, mais tiens, sur lui. Lui, c'est Usugol, œil qui brille. Écoute les hurlements dans sa tête. Motivation, écoute les hurlements dans sa tête. D'accord, il doit être un petit peu... Ok, voilà, donc on a eu un petit renseignement de plus sur un des mecs qu'on doit zigouiller. Allez, qu'est-ce qu'on a comme mission sur la carte, hein? J'en ai une qui est juste à côté. On pourrait se la faire, interrompre la buscade dressée contre Rache le surdoué. Je suis vraiment dessus. Elle est vraiment à côté, on va le faire. On va en profiter. Est-ce que j'ai des points de compétence peut-être? Non, apparemment j'en ai pas là. Trouver la cible. Des balises est là. D'accord. On va monter ici. Hop là. C'était un peu chaud. Parce qu'il y a lui là. Donc en fait on a toujours des petits prisonniers. Chut, tais-toi. Voilà. Je suis libre. Qui sont un petit peu, vous voyez, toujours un petit peu escortés par des orques. Et quand vous les tuez, vous les libérez. Ça me fait penser à Far Cry 3. Dans Far Cry 3, vous avez toujours un petit peu sur la carte des fois des mecs qu'il faut libérer. Ah, j'ai une cible là. C'était pas le grog. Œil qui brille, il est là en fait. Ah, c'est foutu, flèche enflammée. D'accord. Œil qui brille, il est là. Est-ce que je peux voir sa faiblesse? Il est où, œil qui brille? Œil qui brille. Voilà. Il est vulnérable aux coups finaux, pareil. Vulnérable aux coups finaux. Furtif, il aime pas la furtivité. Il est vulnérable aux attaques à distance. Vulnérable aux bêtes chevauchées. Il a peur des cargors et il a peur des gueules. D'accord. Est-ce que je pourrais peut-être l'avoir en mode furtif? Je sais pas. On va essayer. Hop là. Je sais pas si j'ai moyen de le...
de l'avoir en furtif. Là, il y a un mec. Ah, lui, il est un petit peu tout seul. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a bipé. Je jette un œil. Hop. Voilà. Mon camarade Philippe qui va au dodo. Et pour qu'il aille au lit aussitôt, je sais pas s'il est tout seul pour aller au lit. Il y a peut-être quelqu'un qui l'attend. Allez. Ouais, je pourrais peut-être l'avoir en mode furtif. On va essayer. On va essayer. C'est pour ça qu'en fait, il est un petit peu à l'écart. Parce qu'on va, on doit pouvoir l'avoir en furtif. Le problème, c'est qu'il a deux gardes quand même qui sont. Un d'entre eux était un berserker, pas un guerrier. Peu importe. Ils ont perdu la tête en approchant autant du feu, alors que c'est. Je me suis un peu repéré là. Hop là. Il a rien vu. On va dire qu'il a rien vu. Il change de jeu, ah, c'est ça. Jeu d'adulte. Apparemment, c'est bon. Regardez, là je vais pouvoir l'avoir. Je vais pouvoir l'avoir en furtif. Je vais pouvoir t'avoir en furtif. Hop. Et voilà, le point faible. Du moment où vous arrivez à le prendre en furtif, on le tue du premier coup. Nickel. On va ramasser. Impeccable. Comme quoi bon, je pense que peut-être il y aura des capitaines qui seront plus durs à tuer. Pas mal de gens sur ce jeu ont dit qu'il était peut-être un poil facile et que s'il sortait une suite, il faudrait que ça soit un petit peu plus dur. Peut-être que je vais les rejoindre là-dessus. C'est vrai que voilà, il y en a quand même qui sont plutôt simples à tuer. On va essayer d'en enchaîner. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? C'est quoi la main là? Bon, après ça, c'est pas. On verra plus tard, peut-être. Hop. Ah, ben voilà, on va enfin se faire celle-ci de mission. Parce que c'est celle que je voulais me faire depuis tout à l'heure. Regardez-le, lui. Vous voyez, il est un petit peu gogol, hein. Il a mis du temps à me voir. Hein. Hop, allez. On va essayer de monter. On va se faire l'archer. Si je pouvais sauter là, ça serait pas mal. Allez, ciao. Ciao l'archer. Ah, mais il y en a qui sont en train de se faire attaquer par des bestioles en bas. Où est ma mission? Vous savez, vous êtes calme sur le chat. Je reconnais que... Ouh! Quelle belle pirouette, hein, cacahuète. Ouais, là-bas la mission. Hein, c'est ça là que j'ai choisi. Ouais. Donc elle est là la mission, on va se la prendre. Quelqu'un l'a tué. Et ciao. Petite exécution, voilà. Depuis une hauteur. C'est quelque chose que j'ai débloqué hier, je l'avais pas encore utilisé. Eh ben ça marche plutôt bien. Ok. Est-ce que je peux me prendre cette mission là? Parce que depuis tout à l'heure j'ai envie de me faire...
Ah, mais j'ai pas ramassé ça tout à l'heure. D'accord. J'avais pas ramassé ça. Ok. Non, là, j'ai une mission quelque part. C'est quelle est cette mission? J'y suis dessus, un peu sur la carte. Elle est peut-être en hauteur. T'es KO, Fuzzy? Ah, il faut aller faire dodo. T'as une dure journée. Allez, là-haut, la mission, je la vois. Allez, bonne nuit, Ray. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir. J'espère que ma petite intro t'a plu. Que la musique t'a plu aussi. Et passe une bonne nuit. Et on se donne rendez-vous sur un prochain live. N'hésitez pas à venir de temps en temps voir si je suis pas en train de liver. Liver, j'ai inventé un verbe, liver. Et du coup, voilà, passe une bonne nuit. Bon, tu descends, toi, ça. Là, c'est un petit peu chiant. Parce que c'est des trucs un petit peu automatisés. Voilà, et moi, j'ai envie d'aller là. Allez, on va se faire cette mission. Quelle heure il est? J'ai commencé le live avec quelle heure, hein? À 10h, non, ça fait déjà 1h30. Putain. Alors, les orques savent souvent s'entretuer si la victime survit, elle accroît son pouvoir. Interrompez la buscade pour affaiblir. Donc, il faut interrompre la buscade. Ah, ouais, c'est possible que je live demain. J'ai pas encore prévu, comme j'ai mon fils avec moi ce week-end, je sais pas. Mais n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps. Peut-être que je serai en live. Demain soir, sûrement vers la même heure, je liverai. Ouais, ça c'est sûr et certain. Après, dans la journée, je sais pas. Ouais, j'ai travaillé mes maçonneries. Ça, tu as fait de la maçonnerie? Ah, je crois que tu m'avais dit non, peut-être tu faisais des études de maçonnerie. C'est fort possible. Allez hop, lui. Et on va tous se les faire comme ça. Ils voient rien, c'est con. D'autres ennemis dans le combat, je vous vaincrai tous. Mais ils ont des sales gueules quand même. Allez, à plus, Ray. Ciao. Merde, putain, je regardais le chat. Et je me suis fait avoir deux fois là. Ça ne va pas, ça. Vous allez prendre cher. On va essayer de se faire lui là. Et ciao, ciao. Et toi, je peux te faire? Est-ce que je peux te... Hop là, il enlève l'épée. C'est un enfoiré. Et là, il est mort. Ciao. Mais il était pas si surdoué que ça, hein. Il était pas si fort. Ok, on va se faire eux. Je sais même pas si c'est ce qu'il fallait que je fasse dans la mission en fait. Oh merde, putain, il me faut le chier, hein. Cela je l'ai là. Je vais essayer de me le faire. Putain, j'en ai deux. J'ai deux enfoirés comme ça. Allez hop, un de moyen. Ah, je vais lire le chat, hein. Je vais regarder parce que j'ai vu que Fuzzy a écrit quelque chose. Oh, trop bon. Trop bon comme la technique pour lui foutre l'épée dans le ventre, quoi. Les mouvements sont vraiment excellents. C'est vraiment top. Soumets-toi. Et ciao. Allez, on se finit le dernier. Et ciao. Super. Alors,
Ouais, je suis en maçonnerie, voilà, c'est ce que tu m'avais dit en dernière année. Et c'est ma qualification, donc j'ai un jury qui doit passer voir mon mur, c'est chaud. Ah, d'accord. Ok. Et t'as fait. En fait, on te donne une taille de mur, t'as fait un petit mur de 1 mètre, t'as fait un gros mur de 2-3 mètres, hein, avec des parpaings, des chérons. Comment ça se passe en fait? Je vais aller récupérer ce que l'autre a laissé quand je l'ai tué, le chef là. Ouais, pique à brochette, ouais. T'as raison, Scratch, c'est ça. Pique à brochette. Ouais, bon, on est pas mal là. On est pas mal. On a fait un petit peu le ménage sur la carte là. Qu'est-ce qu'on pourrait aller se chercher? Je vais voir ce que c'est le poêle là, ça m'intrigue. Cette espèce de poêle là, on va aller voir. Cette petite créature maudite, vous feriez mieux de vous inquiéter de moi. On doit pas en être loin. Ouais, 230 pieds. Je crois qu'il va falloir que je me resserve de mon saut d'astrim. Je commence à avoir soif. Ciao. Ah mais c'était là. J'ai ni passé devant. Non mais allô quoi. Allez, commencez la mission, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques outils cassés ont valu à ces esclaves des jours entiers de torture. Tuer les Uruks qui les gardent et libérez-les. D'accord, en fait on va libérer des esclaves. Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai mon téléphone qui est tombé sur le clavier. Sauver les esclaves. D'accord. Je mets pause. Je vais me chercher du soda stream. Parce que j'ai soif. Le Red Bull. Oui, c'est ça que je bois. L'energy drink. Il est très très bon d'ailleurs. Attends, je reviens. Hop là, je vous ai laissé en tête à tête avec cette phase de rat là. Cette phase de rat à l'image. Ouais, j'ai essayé l'energy drink et honnêtement, ça a le goût d'energy drink. Hein. Ce soda stream, je suis super content. Je fais pas de la pub, hein. Mais j'en suis super content parce qu'on a vraiment des bons goûts. Là, mon fils, j'y ai pris limonade et ça a le goût du Sprite. Enfin, c'est vraiment très très bon. Je lis le chat vite fait. Alors, c'est un mur de 3m20 avec une porte et une fenêtre, deux rouleaux, une voûte d'une brique à demi-hauteur. Ah ouais, putain, quand même, c'est du boulot. Ah ouais, et on te laisse combien de temps pour faire ça? Et tu le fais tout seul, toi? Ou vous êtes une équipe, peut-être? Vous êtes deux ou trois? Ah ouais, quand même, c'est un sacré boulot. Ok. Alors, on va aller, apparemment, il y a combien de ronds jaunes? Ah, il y a un paquet de ronds jaunes. Sauver les esclaves. Ah, voilà, les ronds jaunes, c'est les esclaves. Sur notre départ, là, il y a un ennemi. Hop là! Je crois qu'il m'a entendu. J'ai réussi à survivre plus longtemps non, que tout le monde bon. Ici. Et on m'a toujours pas promu. Il est temps de dissiper. Ok. Est-ce que y en a un qui va se ramener ou pas? Un cadavre! Et c'est un Uruk! J'ai monté en l'air. Et j'en ai un paquet qui arrive là. Est-ce que j'ai du temps pour sauver les esclaves? Non. Il n'y a pas de temps imparti, donc on peut prendre notre temps. 8 jours tout seul en rentrant une heure chaque jour de nettoyage. Ah ouais putain, mais chapeau hein. Chapeau parce que ça doit pas être évident. Ah lui par contre, vous voyez, il y a un mec qui a un truc vert sur lui. Ça veut dire qu'il a des renseignements à nous donner. Et logiquement, il faudrait pas que je le tue. Il pourrait me donner un renseignement. Putain, mais ils sont tous groupés là. Je suis comme un con. Ah, on peut les attirer.
Quelqu'un a vu le chef? Vous allez voir. Il y a quelqu'un. Hop là. Voilà, vous voyez, j'ai attiré quelqu'un là. Qui normalement il arrive. Hein. Il y a tellement de foutus pauvres. Je vais essayer de me le faire. C'est pas si mal. Ils sont si nombreux. Quand il en manque, ciao. Un ou deux. Voilà. Petit côté enfin, infiltration. Il manquerait. Ouais, jeter une grenade, ouais, ça aurait été pas mal. Il manquerait plus que de porter les corps et de les cacher. Et ciao, toi aussi. Je crois que quelque chose vient de bouger. Oh, bouge. Il y en a un qui arrive. Je vais me les faire un par un. Hein. Il y a eu un massacre ici. Ah, tu m'étonnes, il y a deux corps au même endroit. Ça te paraît pas louche, hein? Est-ce que ça te paraît pas louche qu'il y ait deux corps au même endroit? Non. Mais maintenant, il y en a trois. Trop bon. Excellent, quoi. Petit ménage. Petit ménage. Vous avez entendu? Bon, il y a deux points jaunes, trois points jaunes. Il est mort. Il est mort. Regardez. Et toi aussi, tu vas crever, gros tas de merde. Oh, putain, il va où? Il s'est barré où? Oh, t'es un petit vicieux, toi. Vous avez vu ça? Il s'est barré. En fait, il a dû avoir peur. Il y a des morts et il s'est barré. J'aimerais que les esclaves acceptent leur sort. Dans la famille péteux, je veux le père, temps, quoi. Puis qu'il meure sans insolence. C'est ce que c'était. Et moi qui avais les coraux sont indignes de la mort. J'essaie de regarder un peu les sur la carte qui c'est qui, hein. On va essayer de monter en haut. Tu peux grimper là ou pas? Non, apparemment, il peut pas grimper là. Il y a un mec en haut ici. Faudrait que j'arrive à monter. Ah si, il peut grimper. Hop, on va monter. Oh putain, ils font chier quand ils sont devant moi là, les mecs. Vite. Chute. Chute, 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 chute. C'était chaud. Hein, re-fuzzy. Ouais, donc je te disais, ouais, chapeau pour. Quand je participe à un combat, je veux toujours un. Ce que t'as fait, parce que ça doit vraiment pas être évident. J'adore voir leur lance traverser un crâne ou deux. On va se faire lui. Hop là. Là, j'aime bien parce que c'est une mission, on n'a pas de temps. Hier, j'ai fait des missions, il y avait du temps. Et c'est vrai que c'était. Hé, hey, vous. C'était pas évident. On est attaché ici. Aidez-nous. RB pour détacher. Allez, tire-toi. Hop là. Ces prisonniers sont juste devant. Et me remercie pas, surtout. Me remercie pas. Oh, je veux un merci. Je veux un merci. Putain d'enfoiré, hein. Voyez un petit peu comment ils sont, les gens. Me remercie même pas. Bon, de toute façon, j'en ai zigouillé un bon paquet. Ça ne vaut pas. Là, il y a lui, là. On va essayer de se le faire. Hein. Ça vous tiendra. Voilà, comme ça. Il me fera pas caguer non plus. Scratch avec un... Ouais, moi aussi, j'oublie. Moi, tu remarqueras que j'oublie aussi le S, je crois. Quand je te parle. Ah, c'est Scratch qui était parti, pardon, excuse-moi. Ah, moi aussi... Putain, regardez tout le monde qui arrive en bas. Je sais pas si vous arrivez à les voir, mais... Il y a un sacré petit paquet. D'enfoirés. Je vais m'en faire une. Je vais les déquiller un par un. Ouais, j'ai fait une faute, ouais, c'est vrai. À chaque fois, j'oublie le S. Fallait choisir un pseudo moins compliqué. Pourquoi il y a un S aussi? Montre-moi. Hop là. C'était un peu chaud, j'ai pas vu qu'il était monté, lui. Oh putain, je vais fermer ma fenêtre. Hein. Je reviens de suite. Hein, parce que je commence à avoir des papillons qui rentrent. Hop là, voilà. Je commence à avoir des papillons qui rentrent. Hein, et quand il y a des papillons, il y a des moustiques aussi. Puis après, bonjour pour faire dodo.
Ok. On va essayer de se faire le gros là. Merde, je l'ai pas eu. Fais chier. On va essayer de passer un petit peu par là, on va bouger. On va aller vers les deux points jaunes là-bas. On va essayer de libérer les autres otages. Enfin, otages, esclaves quoi. Ah, pas mal, Dom-Tom Gamer. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu faire comme toi, j'aurais pu le compliquer, mon pseudo. Dans le genre compliqué, on pouvait pas faire mieux. N'empêche que personne aurait... Bon, marqué Dom-Tom Gamer, il y en a qu'un. Hein. J'en ai pas trouvé un autre sur Google, j'ai fait des recherches et tout. Dom-Tom Gamer, il y en a qu'un seul. T'as vu casser cet outil ? Et c'est moi. C'est drôle, hein ? Ce sera encore plus drôle quand je te casserai le bras. Hop ! Allez, on va libérer l'otage. Super. Et toi, t'as intérêt à me remercier, sinon je te zigouille. Merci. Voilà, vous avez vu un petit peu comme j'y ai fait peur du moment où je l'ai menacé. Hop là. Papillon de lumière. On aurait dit quelqu'un qui marchait pas loin. On va essayer de savoir lui là, de loin. Dans la chetron. Dans la chetron. Il n'est pas compliqué mon pseudo, il a une histoire. Ah, il a une histoire ton pseudo. Ah, Fuzzy, oui, c'est vrai que Fuzzy, ouais, doit être un. Mais je pense que Scratch c'est pareil, il doit pas en avoir hein, d'autres hein. Il paraît que si on mange la matière grise, de la... Oh putain, il y en a un paquet qui arrive là. Vous savez quoi? Je vais libérer la bestiole dans le camp. Des rats. Ça fait des rats. Vous allez voir. Ouais, c'est ça. Eh bien, quoi que ce soit, ça ferait bien de garder ses distances. Ah, mais c'est de moi qui parle. Hein. Et voilà. Ah, vous allez voir, on peut faire comme dans Far Cry et tout. Vous prenez ça, la cage là. Vous faites normalement, je dois pouvoir la libérer. Hop, voilà. Mais la saloperie, elle m'attaque moi. Alors, vite. Putain, mais je m'enferme dans la cage comme un con. Voilà. Et la bestiole, elle va attaquer un petit peu tout le monde là-bas. Ça va leur faire les pieds. Et comme ça, moi, je vais aller libérer l'otage. Hop là. Vite. Allons libérer l'otage. Par ici. À l'aide. Allez, dis-moi merci. J'ai fait une petite diversion. Et mission terminée. Donc allez, c'est pas mal ça. Il y a pas mal de façons de finir une mission. J'ai sorti mon fusil. Je le recours. Il y a un autre Scratchy, c'est un athlète. Ah, c'est un athlète. Tant de douleur pour une simple pelle cassée. Eh bien voilà. Terminer les missions sans otage poussera les exilés à vous aider en vous fournissant des renseignements sur des capitaines ou se défendre contre les ravisseurs. Ok. Je pensais savoir ce qu'était la cruauté avant l'arrivée des... Bon, bah écoutez, on va se faire un dernier petit truc et puis après on ira dodo. Hein. Par contre, je vais pas rester là parce que la bestiole risque de venir m'attaquer moi. Allez, on va tenter. Allez, on va finir par un chef. On va se faire lui là-bas. Et après, on va au lit. Trouve-moi mieux, je change. Allez. Hop là. Hop, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Putain, les enfoirés, ils sont nombreux.
Je peux vous dire qu'ils sont un sacré paquet. Et c'est bon, on a réussi à les semer. Hop là. Allez, on a la mission qui est là. On se fait celle-là et puis on va dodo parce que moi aussi j'ai les yeux un petit peu explosés. Du coup, demain, je sais pas. Peut-être que dans la journée, si j'ai un petit peu de temps, je liverai. Par contre, demain, je meurs. Ouais, je pense que je me ferai quelque chose. Soit celui-là ou soit je vous ferai une surprise d'un jeu que j'aurais lancé au hasard. Je sais pas. Allez, éliminer le chef de guerre hein, et votre exploit arrivera aux oreilles du seigneur des ténèbres en personne. Ah ben putain, elle est importante cette mission. Ah, sur Minecraft. J'ai du mal à y aller sur Minecraft. Hein. C'est vrai que le mode que tu as mis, il est bon. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai du mal à y aller dessus. Ah, mais c'est encore notre copain. Ciao. Mais il est toujours dans la merde, mon copain, quoi. Il est toujours dans la merde, quoi. Je vais bien. Non, j'ai pas mal du tout. Non, je sais ce que tu te dis, Honor. C'était pas ma faute. Je vais dire au chef que j'ai tué son garde du corps. Il se retourne. Il a exactement la même tête que la limace que je viens de tuer. Oula, ça parle de Kiki tout dur. Faites attention, les gars. Des jumeaux. Vous tapez pas une main devant mon live, hein. C'était pas les chances... Fais en sorte d'être là pour prendre la place du chef de guerre mort. Mais il est pas mort. Je m'apprête à aller le tuer. Allez, on va tuer le chef de guerre. Et lui, il va essayer de prendre sa place. Et c'est gore quand même. Et ça marche. Bah oui, ça marche un couteau, Bruno. C'est pointu. Une plateforme d'entraînement. Bien, voyons comment les soldats du chef de guerre s'en sortent. Face à un vrai ennemi. Secoue une cage pour faire sortir la bête. Ok, débloquer une compétence. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez déverrouillé un nouveau rang de compétences. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, ça y est, on l'a déverrouillé celui du bas. Qu'est-ce que j'ai? Coup critique. Et ça c'est quoi? D'infliger un coup fatal lors d'une dernière chance. Ah bon, on va prendre ça, c'est pas mal. Et du coup... Allez, on va prendre ça. Et on attaque. Ah, désolé d'homme déjà fait. Ah, gros dégueulasse. Devant mon live, quoi. Mort de rire. Oh, ça marche. Ah, ça coupe, hein? Attends, j'ai pas compris, Fuddy, t'as mis oh, ça coupe, hein? C'est par rapport à quoi? Allez, on est parti. On va essayer de se finir cette mission, et après... Et après, on ira dodo devant YouPorn. Il nous conduira tôt ou tard à la main noire. Oui, Xamster, on verra. Comment c'est possible? C'est Zuru qui était fort. J'arrive pas à Nouveaux ennemis, les breakers, qu'est-ce que c'est ça? Les breakers contre les attaques normales et tournées ici avec B. D'accord. Ouh, ça a l'air compliqué là. Ratbag est un vrai guerrier. Ratbag a transformé le capitaine en chair à pâté. C'est peut-être un vrai ourou comme le chef de guerre. Ah, tu l'achèves, hein? Surtout vu que c'est Ratbag qui l'a tué. Je crois que j'ai voulu être furtif. Je me suis fait un petit peu avoir là. Allez, ciao. Oh, mais ils sont putain solides. Oh, oh, oh putain.
Oh merde, il me jette des trucs. J'ai de lire le chat en même temps. Hop, je mets pause alors. Parce que vous êtes en train d'écrire des trucs là. Sandrocon, tu me fais peur quand tu parles de Kiki. On va travailler son couteau. Ton live, c'est comme un couteau, ça coupe dur. Ouais, c'est clair. Je suis trop fier de ma connerie. Je te veux dans mon équipe. Allez, on est parti. Elle a l'air d'être plutôt balèze cette mission. Par contre, j'essaye de repérer le chef. Je sais pas où il est. Vous avez entendu ça? Il est où le chef? Découpez-le dans le dos. Putain, mais ils sont un sacré paquet. Faut que j'aille déverrouiller apparemment les cages, si j'ai bien compris. Faut que j'aille à l'objectif en jaune. Je le tiens. Attrapez-le. Hop là, pardon. Excusez-moi. Je fais que passer. Et ciao. Ah mais c'est en bas le truc. Allez, saute, saute cocotte. Putain mais le truc j'arrive pas à voir où c'est. Ah c'est en haut. D'accord, c'est derrière les palissades. Ok, on va monter là. Est-ce que je peux grimper là? Non, là je peux pas. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire aussi sur mon live, c'est couper l'enregistrement de OBS. J'ai pas pensé à le faire tout à l'heure. Ah, je crois que c'était là, hein. Ah, voilà. Mais c'est encore en dessous de ça. J'ai pas trop compris. Ah non, c'est eux. D'accord. C'est cette espèce d'enflure, là. Lui, c'est un objectif, quoi. Je suis en train de me faire zigouiller les enfants. Ça sent le dodo. D'accord. D'accord. Ça c'est bon ça. C'est la compétence que j'ai débloquée tout à l'heure. Hein. Et honnêtement, ça me permet vraiment de liquider un mec quand je me réanime. Fait chier lui, hein. Ah ça y est, maintenant qu'on a tué le gardien. Ouh, il a l'air balèze lui. Il a l'air balèze les enfants. C'est pas grave, amusez-vous sur le chat. C'est fait pour ça. On va essayer de survivre, de se faire cet enfoiré. Et après on essayera d'aller faire un gros dodo. Putain, si j'arrivais à voir un petit peu mieux ce que je fais. Faut enlever l'archer. Ciao. Oh merde, j'ai failli tuer un... Allez, lui, on le tue. Il va pas rester grand-chose, normalement. Là. Il devrait pas rester beaucoup. On va finir par un combat épique, à mon avis. J'espère que
ils arrivent pas à l'infini, les mecs. Allez, lui, on le tue. Hop là. Et il en reste plus beaucoup, là. Merde. Et hop. Et... ciao. Ciao. Allez, on va y arriver. On va y arriver, il en reste 3. Plus le chef. Oh putain, il manquait plus que lui là. Eh ben il est plus là. Allez, une fois. Ciao. Allez, on va essayer de l'avoir là. Deux. Oula. C'était chaud. Allez, encore un coup. Et on l'a. Encore un coup, les enfants, et on le tue. Je ne suis qu'un simple soldat d'une grande armée. Et voilà. Et voilà. Allez, je veux un GG. Je veux un GG pour avoir fait cette espèce d'enfoiré. Parce que là, on vient de se taper un combat épique. Et on en a tué un paquet de monde là. Je veux... Je veux rester jusqu'à la fin, mais demain je me lève tôt, vite. Allez, Fuzzy, c'est fini. On va aller au dodo. Allez, merci Fuzzy, super sympa. Rodeur, on a réussi. GG, ouais. Non, je veux pas de GG dans mon lit. Oh, t'as pas à t'en faire. Le chef de guerre Radbag veillera à ce que personne ne se mêle de tes affaires. Mais je ne peux pas parler pour les autres chefs. Ne t'inquiète pas pour eux. Et tu me prêterais ? GG le fermier, ouais. Mieux aiguisé. Je préférerais, à la limite, Ginette la fermière. Allez, super ! On a réussi. Lui, il est crevé. Forcément, notre pote, il va prendre la place. Et il progresse, notre copain. Mais chaque fois qu'il progresse, on le retrouve encore dans la merde, quoi. Ok. Eh bien, impeccable, les enfants. Allez, on va se laisser là. Je vais mettre pause, ce sera plus agréable. On va se laisser là, c'est quoi, minuit 10. Ben, je vous souhaite de passer une bonne nuit. J'espère que ça vous a plu. Ma petite intro vous plaît parce que ça sera ma musique d'intro. Et voilà, j'aurai ma petite musique d'intro quand vous serez là ou quand il y aura des gens qui seront sur le live. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être venu, ça me fait plaisir que vous veniez regarder mes lives. N'hésitez pas, bon ben voilà, à regarder si je fais un live au cas où, si je le préviens pas sur YouTube, bon peut-être que je serai en train de faire un live. Dans tous les cas, encore merci d'être venu. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, faites de beaux rêves. Je vous dis à très très bientôt alors. Allez, à plus, ciao Scratch, ciao Fuzzy. Et la troisième personne, eh bien, ça doit être moi, qui a le live à côté, donc ciao à moi-même. Allez, bonne nuit les gars, à bientôt, merci d'être venus.